Bonjour Santiago. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici au Panama. Vous êtes les bienvenus. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui vous a donné envie de tout quitter pour revenir ici dans une ferme incroyable? Le but, c'est l'autarcie, être complètement indépendant de toute de tout ce qui est la production de nourriture. Oui. Donc, j'aime pas devoir aller dans un magasin pour acheter ma nourriture. Et j'aime pas non plus devoir dépendre de quelqu'un. J'aime bien être le pilote de ma vie. OK. Grâce à Dieu, je peux faire ça. Donc, pour moi, l'important, c'est d'avoir. Ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où je peux combler mes besoins alimentaires sans dépendre de personne. OK. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on est et qu'est-ce que vous faites de vos journées ici au quotidien? Là, on est au Panama, donc Amérique centrale. Et je m'occupe de la ferme. J'ai une petite ferme qui produit justement des oies, des canards, des poules, des poulets, des poissons. Et maintenant, je suis très heureux d'avoir la serre aussi, parce que comme ça, je pourrais produire mes légumes plutôt, mes racines, mes légumes, tout ce qui pousse là-dedans. J'espère que c'est possible de faire pousser des fraises. Ça fonctionne très bien. Super. Comment est-ce que vous avez connu MyFood et est-ce que ça a été compliqué d'amener la serre jusqu'ici? Mais écoute, je l'ai connu à travers des recherches sur Internet. J'étais en train de chercher une possibilité de faire des serres autonomes, automatisées. Et en faisant une recherche sur Internet, je suis tombé sur MyFood et j'ai approfondi un petit peu le thème. J'ai pris contact et voilà le résultat. Excellent. Donc là, la serre elle est équipée avec des panneaux solaires. Panneaux solaires, pompe à eau, détecteur de pH, tout ce qu'il faut pour être sûr de gérer la production d'une façon professionnelle. C'est ça que j'aime. C'est très professionnel. Les éléments de la serre, ce sont des éléments de qualité. L'électronique, c'est de la qualité. La construction, c'est de la qualité. La serre, c'est vraiment du professionnel. Et j'adore ça. Bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. On sera là maintenant pour vous accompagner à distance sur la prise en main de la serre. Et puis, on l'espère, vous guider vers une belle production. Ouais. En tout cas, vous êtes les bienvenus de retourner ici pour goûter aux produits que j'aurai fait pousser dans la serre. Eh bien, écoutez, c'est bien entendu et on n'oubliera pas. Super. À très bientôt.